Coucou. Et coucou. C'est Loulouli. Nous sommes le vendredi 7. Déjà ? Oui. Octobre. Nous sommes à Goul. Oui, nous sommes à Goul. Tout le monde connaît Goul. T'as raison. Dans la Corrèze, à 2 heures de route de Cahors, où nous habitons. Et nous allons faire le circuit des Carbonnières et des Tours de Merle. Les Tours de Merle. Tu verras. C'est pas des oiseaux. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu la topographie derrière. Ça n'a pas l'air mal. Donc on est en pleine campagne. Hein. Je suis un peu fresquette. Corrézienne. Bon, il fait 13. Ouais. Ils annoncent 22. Donc ça va bien, ça va le faire. Donc c'est un circuit de 10 km. J'ai trouvé sur Visorando. A priori, on va se régaler. Il paraît. Je cherche, j'essaie de trouver voilà, des circuits sympathiques et tout. Tu ne me dis rien en plus. Non, c'est la surprise. Donc Odile a mis ses chaussettes anti-mouillement. Les célèbres chaussettes. Et... Parce qu'elle a peur d'avoir les pieds mouillés. Bon, a priori, on va passer dans les bois, on va longer ruisseau, d'après ce que j'ai compris. 380 mètres de dénivelé. Non, c'est rien, entre les châtaignes et les noix qui tombent. Donc là, on descend. Et après, on a deux grosses côtes qui vont faire les 380 mètres de dénivelé. Donc, il va y avoir un peu de patrimoine, pour le coup, puisqu'il va y avoir les tours de Carbonnière et les tours de Merle. Je vous ferai un petit topo là-dessus. Voilà pour cette belle journée de vendredi, jour de repos, qui s'annonce bien. Et, ma foi, le soleil arrive déjà. Et à savoir que Goul, oui, je sais, ça fait sourire, mais ça s'appelle comme ça, elle peut le confirmer. Oui, j'ai vu le panneau. Il faut savoir que Goul, en latin, ça veut dire Goula, enfin on disait Goula, qui veut dire gorge. Nous ne sommes pas loin des gorges de la Serre. Qui sont à quelques kilomètres et on est passé pas loin. On a fait une petite rando à Laval de Serre, pas très loin. Donc les gorges de la Serre qui font quelques kilomètres. Donc voilà. On dit voilà. Donc là on descend pour s'approcher sûrement du ruisseau et on va être en sous-bois. Alors, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de route si un peu à la fin, je crois. On a un petit tronçon d'une petite route vraiment de campagne où il n'y a que les gens qui vont chez eux avec la route. Mmh. Voilà. Je voulais faire aussi, je vous ferai un petit topo là-dessus, une petite rectification au niveau de la date. C'est bien le 22 octobre que je serai présent au Carmel, l'ancien Carmel de Condon, pour la rencontre entre youtubeurs avec notre modeste chaîne de 179 abonnés. Il y en a un qui veut me voir, donc c'est déjà bien, j'en verrai au moins un. Après, nous, on est abonnés, donc ça fait... Non, je rigole. Donc, je verrai au moins une personne. Non, mais après, c'est les rencontres entre personnes qui filment, que ce soit sur le chemin de Compostelle, leur randonnée. Il y en a qui font... voilà. Tout style. Donc, on va pouvoir échanger entre personnes. Et les abonnés peuvent venir et nous rencontrer. Quoi, il n'y a pas de souci. Ça sera avec grand plaisir. Après, je vous le redirai d'ici là, mais il y en aura sûrement une autre au mois de mars où il y aura des chaînes de YouTube beaucoup plus importantes avec des personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés que nous. Parce que nous sommes petits, tout petits. Bon, je suis grand dans la vie, mais petit à la chaîne, voilà. Mais le 22, ouais, c'est donc ça, c'est bien le 22 et non le 16, comme j'ai dit, ou le 15, je ne me rappelle plus, mais c'est bien le 22 octobre à l'ancien Carmel de Condom. Et je vous dirai toutes les chaînes qui sont présentes pour ceux qui suivent un petit peu. Et voilà. Tout ça. Le soleil se lève, les oiseaux chantent. On se prend des noix sur la tronche. Tout va bien. Ça promet une belle rando, sûrement. Je pense. Déjà, rien que le chemin de début. Voilà. Un tout petit parking en pleine campagne. Et là, je vais vous montrer le chemin. Il me tourne. Désolé pour le soleil. Et allez. Il n'y a plus malheureux. Hein. Voilà. Donc on va descendre ce petit chemin. Regardez un petit on peu est là. Pas mal, hein. La topographie des lieux. C'est top. Et ça s'annonce bien. Vous entendez les oiseaux. Mm. C'est les oiseaux corréziens. Donc ils parlent le corrézien ancien.
que je ne comprends pas encore, mais au fur et à mesure de la rando, je pense qu'on va se comprendre. Allez, à tout à À l'heure plus. pour, j'espère, de belles images avec le temps qui s'y prête, ça devrait le faire. Allez, bisous, à tout à l'heure. C'est mes bâtons, ça te fout. Et voilà ce qu'on peut voir quand même de là. C'est quand même superbe. Ça démarre bien. Ouais. C'est un peu la topographie là. Et là on descend, on va redescendre encore en bas jusqu'au point d'eau. Et après, on doit remonter. Normal, quand on attaque une rando par la descente, c'est. Voilà. C'est qu'il y a une remontée après. Hein. Et là, donc, vous avez les tours de Carbonnières du 11e siècle. La construction de la première tour, elle remonte donc au 11e siècle. Ah, j'ai un message. Tout va bien. La famille de Carbonnières donc, était très puissante et a fait des alliances matrimoniales, comme ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Et la présence de ce castrum donc, s'explique par la nécessité de surveiller la frontière entre les comtés de Limoges et Clermont. Et à partir du XIIIe siècle, donc, ce site a été abandonné par la famille de Montal. Puis la deuxième tour est construite. Les deux tours symbolisent le pouvoir féodal et révèlent, je vous lis dans le texte, hein, un partage du site en co-seigneurie. Et après, donc, ils finissent, les Carbonnières finissent par délaisser les tours et s'installer à Merle, que nous verrons plus loin dans la rando. Voilà. Et c'est au milieu
de nulle part, pour le dire. Je vous fais un 360, moi bon, une petite maison là-haut, qui doit avoir un super point de vue. Bon, là, vous avez Odile, joli point de vue aussi. Et donc, tout est vallonné comme ça, quoi. Hein. Bon, il y a des petits vallons et tout. Bon, là, il faut dire que Goule est à 500 mètres d'eau. Hein. Voilà. On n'est pas dans les départements, à part dans l'Aveyron, où on monte à 1200 mètres et tout. Mais là... Donc voilà, ça s'annonce bien. On commence déjà... Et ça fait, on a fait quoi, 300 mètres, hein. Ouais. Donc c'est très joli. On passe dans les petites constructions et tout. Je vais vous mettre des... Enfin, des ruines. Je vais vous mettre des petites photos en incrustation, comme on dit. Et nous, on va continuer parce que mais on n'a pas fini. On a encore plein de choses, de jolies choses à voir. Mais ça commence bien, quoi. Ça me plaît. J'avais vu des photos, mais... C'est top. Ah oui. Voilà, bon, mais elle est contente. C'est une belle découverte. Elle ne sait pas où c'était, mais... Je vais me régaler. Elle ne sait pas où on allait. Je ne lui dis pas, moi. Je lui dis pas. Je cherche, je cherche. Je cherche, je cherche. Moi, je récupère mes bâtons. Je cherche, j'essaie de trouver des endroits sympas à 2-3 heures de route, et voilà. Bon, on devait partir hier après-midi, mais bon. J'ai pas pu quitter mon travail plus tôt. Bon, vous vous en foutez, vous me direz. Vous avez raison. Donc du coup, on est parti ce matin à la nuit. Voilà, parce que là il doit être 9h15. Regardez-moi ce petit chemin, c'est pas sympa. Bon, il faut faire attention. C'est humide, ça glisse un peu. Mais ça le fait. On passe vraiment en bas des tours, quoi. Hein. C'était pas prévu sur le circuit de Visorando, c'était pas prévu qu'on passe là. Mais bon, comme on est curieux, nous, on n'aurait pas vu ce paysage, ça aurait été dommage. Et là, la seconde tour. On passe. Le chemin passe juste là. Hein. En bas, en bas. Aucune idée de combien elles font de haut, mais c'est un sacré site quand même. Ouais. Voilà. Voilà, vous savez tout sur les tours de Carbonière. Et on n'a même pas fait 500 mètres de rando. Je pensais que c'était un peu plus loin que ça, moi. Aller-retour. Ils disent, ben nous on ne fait pas les retours puisque nous on continue. Et voilà. Là, vous avez... Je vais vous montrer. Donc on est passé par là. Tac. Ouais. Adios. Il faut dire que la Corrèze, la Dordogne, et même certains endroits de l'Aveyron, il y a énormément de petits châteaux comme ça. Constriction qui date du 11e ou 14e siècle. Voilà, c'est pas les grands châteaux de la Renaissance et tout, mais ça fait partie de notre histoire. Notre histoire. Bon, il y a plein de petits panneaux explicatifs. Hein. Moi, je vous ai fait un petit résumé rapide. Là, on repart dans les bois parce que nous, on va continuer à descendre. Et voilà. La topographie. Et voilà, donc c'était, là je lis le petit panneau, à vocation défensive. Voilà, avec un escalier à vis. Comme souvent dans les tours médiévales. Hein. Donc, les escaliers, on appelle maintenant colimaçon, mais c'était à vis. Bon, vous voyez que les dernières pluies ont fait reverdir un peu la végétation. On a même croisé 2-3 champignons qui nous ont traversé le chemin. Et voilà. Regardez-moi ce petit
chemin. Si c'est pas trop. Prends les rochers et tout. Et là en bas, voilà, vous avez les petites ruines. Donc ça doit être les dépendances sûrement. Les tours. Encore une autre ruine. Bon, je ne parle pas d'Odile, hein, bien sûr. Quand je parle de ruines, je parle de bâtiments. Hein. Voilà. On vous dit à tout à l'heure. Prendre 2-3 photos. Et on va continuer à descendre. On va se taper les 380 mètres. Elle est contente. Hein. De dénivelé. De dénivelé, oui. Pour aller aux autres tours. Et ça devait être plus profond, là, il y a une... Oui, mais ça devait être les dépendances. De toute façon, il y a toute une partie du chemin qui est, ouais, qui est murée. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Bon, on va traverser un bras de la rivière à gué, en direct. Je vous montre. Attention. Séance émotion. Bon, ce qui fait plaisir, c'est qu'il recommence à y avoir un peu d'eau quand même dans les ruisseaux. Bon, je m'attendais à avoir un tas de cailloux. On entend un petit bruit de cascade, mais bon. C'est pas le Niagara, hein, mais bon. Ça doit se resserrer un peu. Je vous filme quand même. Oui. Je pense qu'elle croyait que c'était comme une douche, vous savez, ou un truc comme ça, avec un gros caillou énorme. Mais bon. Et ça résonne, on est dans la vallée, là. Voilà. Anaïda. Voilà. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on revoit un peu d'eau, quand même. Voilà. Bon. Maintenant, on va remonter. C'est même beau d'être descendu, mais... Bon, après, c'est apaisant. Hein. C'est apaisant. Alors, oui, c'est la grosse cascade. Hein. Ouais, juste les embouts des bâtons. Quoi. Par contre, ça sent le champignon, je vous explique pas. Quoi. Voilà. Et nous, on doit... remonter là-haut. Il y a autant de chèvres que ce qu'il y a des... Mais bon, c'est apaisant, superbe, c'est ouvert. C'est top. Nous allons quitter la rivière. Et comme je ne vais plus avoir de souffle dans un quart d'heure, parce qu'on est au fond, donc là maintenant il faut qu'on remonte. Donc je vous dis à tout à l'heure.
que là, on longe la rivière qui reprend un peu ses formes, hein, la Maronne. C'est la première partie plate qu'on fait là depuis tout à l'heure. On est descendu après les tours de Carbonnière et on ne fait que monter et descendre en longeant le ruisseau. Et on n'a pas attaqué les fameuses deux montées que j'ai vues. Voilà. Après, je ne sais pas combien on a fait là. On a dû faire 3-4 km à peu près sur la dizaine qu'il y a. Et puis voilà. Ah oui, non, c'est pas par là. Bon, ben voilà, vous allez voir en live. Voilà, nous, on suit le marquage bleu. Oui. Et on doit aller là-haut. Là-haut. Donc, ben, je vais vous laisser quelques instants. Le temps que je monte en reculant et en moonwalk. Donc voilà, ouais, on a, bon, ça c'est comme tous les ruisseaux, enfin pas mal dans le secteur où on monte, on descend et tout. Bon, après j'avais vu qu'il y avait deux grosses montées. Alors je sais pas si c'est celle-là ou si c'est parce qu'on continue de longer le ruisseau, parce qu'a priori on n'a pas fini de le longer. Donc on continue, voilà, d'où les 380 mètres. Je suis un peu sceptique quand même encore. Ouais. À chaque fois qu'on m'annonce des trucs comme ça, j'attends de voir la fin. Voilà. J'y vais. Non, à tout à l'heure, bisous. Elle est partie, telle un cabri dans les rochers perchés sur la montagne. Et attention, ça a l'air de glisser, quoi. Allez, à mon tour. À tout à l'heure. Bon, on a passé le pierrier. Je pense que vous l'entendez à ma voix. Et là, c'est pas beau. On a retrouvé un petit chemin. Hop, ça glisse. Fais attention, ça glisse. Hein. Voilà. Donc le ruisseau, on l'entend toujours. Et en bas. Au moins, ça vous prouve qu'on est monté. Il n'y a pas de le funiculaire était en panne. Voilà. C'est superbe. On commence à prendre les couleurs d'automne. Elle est courte mais un peu sportive. Alors, on va le dire. La première partie jusqu'au tour de Carbonnière, au moment, c'est un aller-retour. Ça se fait tranquillou avec des enfants. Par contre, la suite, c'est déconseillé. Ça fait comme monter que descendre, il y a des cailloux partout. Ça glisse. Les tongs, on oublie. Les mocassins aussi. Et voilà. Et j'avoue que les bâtons ne sont pas de trop. Mais ouais, non, c'est sportif la deuxième partie là. Après les carbonnières. Alors je l'ai regardé, on avait fait 800 mètres, je crois, pour l'eau carbonnière. J'avais dit 300 moi, mais bon. On a fait plus que ça. Et là, depuis tout à l'heure, on fait que monter que descendre. Voilà. Vous voyez le style de chemin. Et là, on redescend vers le ruisseau pour remonter. Et c'est là que l'on dit, toi, tu restes là. Voilà. Tu bouges pas. Ou après qu'on soit passé. Il y a plein d'arbres, ouais, qui se sont... Alors, il y en a, il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a eu un gros coup de vent, il n'y a pas très longtemps. 3 semaines à moi. Enfin, en septembre. Et il y en a, y a eu un marquage dessus. Ceux qui ont un marquage dessus, à mon avis, ça fait un moment, parce que sinon, il n'y aura pas le marquage du circuit. Mais après, ouais. Il faut bien faire gaffe.
je fais un peu n'importe quoi, je vous filme en descendant. Si vous voyez plus rien, que si vous voyez plus rien, que vous entendez, c'est que je suis en bas. Et plouf, ça c'est que je suis tombé dans la marronne. Voilà. Alors là, du coup, on a vu deux bras là, qui se rejoignaient, donc vous voyez, il y a un peu plus d'eau en bas, hein, que tout à l'heure, que le tout petit ruisseau qu'on a vu. Mais c'est superbe. Voilà. Bon. Je vais quand même faire gaffe. Je vous reprends après. Voilà, après avoir quitté les cailloux, le chemin un peu plus physique au bord de la petite rivière qui s'appelle la Maronne. Donc là, nous sommes autour de Merle. Donc c'est un castrum médiéval donc, qui est sur un éperon rocheux, hein, vous le voyez, de 40 mètres de haut et sur 200 mètres de long. Donc là, autant vous dire que pour aller assiéger là, les types ils devaient aimer marcher avec les armures et tout. Donc il est au-dessus de la rivière et vous l'entendez. Donc il a été construit par cette famille de seigneurs entre le 12e et le 15e siècle. Elles sont un joyau du Limousin médiéval et cette forteresse naturelle fait susciter l'imaginaire des petits et des plus grands. Donc il y a un parc de 10 hectares, le castrum a des points de vue, une ferme paysanne reconstituée, les ruines d'un village médiéval, la rivière, enfin voilà quoi. Ah, excusez-moi. Casse-pieds pour vendre de l'isolation alors qu'on est en pleine nature. Et voilà. On n'est pas bien là? On est deux. Donc c'est magnifique. Bon, après, à savoir qu'on peut le visiter, mais bon, hors saison que le dimanche. Et donc ils ont refait une ferme et tout. Bon, ben, a priori, ça a l'air super sympa quand même. Voilà. Bon, et nous, ben, écoutez, nous on est. On est qu'il nous reste 4,5 km. Et qu'on va faire une pause céréale parce qu'on n'a rien pris pour bouffer. Et qu'il est midi. Voilà. À tout à l'heure. Allez. On est presque arrivé. Ouh. Eh bien, il y a du dénivelé sur la côte là. Elle arrive. Alors la caméra c'est toujours trop peur, ça a l'impression que ça ne monte pas. Ça fait 500 mètres qu'on monte et là c'est pentu. Voilà.
Fous-toi de moi. Eddie, petit pèlerin. Il est pas beau. J'ai oublié le mien. Elle avait acheté à Lourdes. Un petit coucou à notre copine Nat Pérégrina. Elle se reconnaîtra. Gros ouais. Bisous. Et... Un monde. Voilà. Bon, on va continuer. Bon, après, le sentier est agréable. C'est dans les bois. On fait que les bois. On a fait 200 mètres de route et puis c'est tout, quoi. Pour rejoindre le point de vue là, du château. Et on est dans les bois depuis tout à l'heure. Enfin, depuis ce matin. Mais bon, on savait qu'il restait deux grosses côtes à monter. On va pas finir la première. Bon. À tout à l'heure. Mais c'est beau, hein. Ouais. Tout vert. Ah ouais. Un grand sentier sous les bois. Magnifique. Li la 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 la. Tirari, tirara, la la la. Tira. Ouais, je chante moins bien que Yann, tourne ouais, toute la tête. Désolé, hein. Belle, hein. Les vacas. Joli, belle. Désolé, Yann, d'avoir accroché ta chanson très connue. Pour les vaches. Yo. Allez, on continue. On n'a pas fini la montée. Ça fait 800 mètres qu'on monte. Et il nous reste un groupe. Pour vous parler un peu, il s'avère que vers le point 10, en fait, sur Visorando de cette randonnée, en fait, on nous fait descendre jusqu'au ruisseau pour continuer un chemin dans les bois pour attaquer une grosse montée encore derrière. Il s'avère que c'est fermé par du barbelé, du grillage et tout pour propriété privée. Du coup, il faut rebrousser chemin. Donc, vous rajoutez un bon kilomètre. Et il faut reprendre le GRP, donc le marquage jaune, qui vous ramène jusqu'au village de Goule, pour reprendre le petit chemin goudronné jusqu'au parking, en fait, du point de départ. Voilà, donc, c'est pour ça que les 100 tout, ben, on va se retrouver avec 13 km au lieu de 10. Bon, pas grave. Sur le fond, c'est juste qu'on n'avait pas pris à bouffer, donc on s'est dit ouais bon ça va le faire, ça crapahutait dans les rochers, on s'y attendait pas non plus, mais bon c'est magnifique, elle est magnifique à part la fin à mon avis il faut continuer le marquage jaune jusqu'à Goule, jusqu'au village de Goule et reprendre le GR jaune, voilà, jusqu'au parking. Voilà, pour vous éviter de faire une descente jusqu'au ruisseau et une remontée. Même si nous sommes tombés sur un papy très sympathique, ramasser des cèpes. Oui. Donc là on arrive et on vous fera une petite vidéo de fin. Voilà, pour ça que je ne voulais pas trop filmer parce que là, c'est la petite route de campagne. On n'a pas vu une seule voiture, mais c'est la route de campagne quand même. Voilà. À tout à l'heure. Hello. Et coucou. Pour le coup, je vérifie. Oui, la caméra tourne pour la vidéo de fin. Donc, oui, fois. Comme je vous ai expliqué sur la... On vous dira après notre ressenti sur la rando. Donc, bien faire gaffe en faisant Visorando. Donc, la randonnée des tours de la Carbonnière et des tours de Merle.
enfin le castrum des tours de Merle. Surtout quand vous avez pris la grande montée après le point de vue autour de Merle. Surtout bien continuer sur le balisage jaune jusqu'au village de Goul et après reprendre la petite route de campagne pour descendre au parking, récupérer votre véhicule. Sinon, vous allez faire comme nous, à peu près 13, 13 et demi, on ne sait pas trop ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Mais en sachant qu'il y a quand même une partie qui est très facile jusqu'au tour de la Carbonnière. Hein. Je Ouais, crois mais que après, bon, pour les ça fait un avantages. ou deux kilomètres, un truc comme ça, aller-retour. Mais après, voilà. Après, ça C'est. crapahute, on Ouais. est dans les rochers. Voilà. Enfin, nous, oui. Des gens qui sont Oui, un habitués adulte un habitué, peu. oui, mais pas Voilà, avec les mais bon, enfants et non, bien chaussés. là, pas avec les enfants. Et par contre, oui, bien chaussé, Ah parce que là, ouais. tongs, C'est. Ouais. On mocassins, crapahute là. loulou boutin, c'est pas la peine. Vaut mieux éviter. Non, Ouais. non, non, de toute façon, c'est pas possible. Hein, à moins d'avoir des bonnes godasses. Et encore, je dirais, même les baskets à cette période-là, vu comme tout est humide, Oui. même des baskets à oublier aussi. Vraiment, les chaussures de rando. Point barre. Sinon, Sinon, c'était magnifique. vert aussi. Vert. Oui, j'ai tout vert. Oui, non, mais magnifique. Oui, voilà. Ah ouais. Jusqu'aux 2 km. Mais du coup, on ne peut pas passer chez les gens, puisqu'ils ont mis propriété privée, donc c'est fermé. L'ancien chemin, apparemment, on pouvait y passer. Mais le monsieur a fermé. Ou la madame, on ne sait pas trop. Mais enfin, bon, quelqu'un a fermé. Donc c'est un peu ballot. Et donc, du coup, après les 2 derniers kilomètres, c'est la petite route de campagne. Mais on a vu une voiture, honnêtement. Oui. Sur 2 km, on a vu une Bon, voiture. après voilà, c'est la route, c'est moins joli quoi. Mais c'est moins, voilà. Que sinon on est On vraiment dans les filme bois, c'est pas, magnifique. voilà, j'ai pas fait de photo ni rien du tout. Là, je me suis arrêté vraiment en haut de la côte. Voilà. Parce que là, on est revenu en fait autour de mer, enfin en haut, au point de vue, parce qu'on a trouvé une petite table pour manger. On avait Voilà. un peu faim quand On avait un petit peu faim parce que bon, mais du coup, même. comme ça crapahutait, On n'avait pas pris à manger. on n'est pas pris de casse-croûte, donc on s'est dit, ouais, mais c'est bon, à 1 heure, on aura fini. Vu qu'on a fait 3 km de plus. Donc ben, du coup on a fait 1 heure de. Oui voilà, on s'est retrouvé à 2h30, 3 heures, quoi, voilà. Donc bon, ouais là ça commence à taper, ouais. Bon après j'avais Oui, des on fruits avait des barres et des trucs comme ça, des fruits des fruits secs, confits, il me restait gingembre et tout ça. oui, gingembre, banane séchée, fruits confits, des cacahuètes, amandes, enfin voilà. Dans une petite poche, Heureusement. dans un petit ziploc, toujours ça dans la poche. Et il me reste une barre de céréales au cas où on n'aurait vraiment pas été bien, quoi. Voilà, mais sinon, vraiment superbe, Ah ouais, superbe. J'espère super que rando, ouais. la vidéo aura rendu bien ce qu'on a vu, parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Hein? Des fois que les vidéos rendent ce que nous on voit à l'œil nu, quoi. Voilà. Ouais, pas le même. Et les photos, pareil. Voilà. L'effet est différent. Voilà. Sinon, bah écoutez, nous, on vous dit À la semaine prochaine. aussi, elle ne sait pas où. Comme d'hab, mini cachotier. Mais ça va plus tes cachotiers. Moi, j'en ai plusieurs, mais voilà. Bon, on va voir, ça va dépendre vraiment par rapport à mon travail, si on part la veille, le matin ou pas. Si c'est à 2 heures de route, on peut partir le matin de bonne heure. Si c'est 3 heures, bon, il faut partir plutôt un peu le soir. Si je suis nito le jeudi après-midi, ben, on peut partir. Enfin, voilà, ça va dépendre de tout ça, mais bon, j'en ai quelques-unes en stock. Que je sais que ça va nous plaire à tous les deux. Voilà. Après, je ne connais pas le. Bon, il y en a certains à venir, si, parce que bon, les endroits où que je connais, mais les randos, du tout. Je vous avoue, le coin, pas du tout. Alors que j'ai habité à 20 km d'ici, dans mes plus jeunes années. Mais puisque mon fils est né par ici, donc. Mais loin de penser, voilà. Donc, comme quoi, à 20 km à la ronde, voilà. Donc, mais. Et puis je vous dirai pas où, déjà, non plus. Par contre, je répète, n'oubliez pas, le 22 octobre, au vieux Carmel de Condom, la chaîne Lolodi sera présente. Voilà, avec nos 159 ou 169, je ne sais plus, abonnés. Si j'en vois un ou deux, ben déjà je serai content. Voilà. Après, je vais rencontrer d'autres chaînes que je suis également,
puisque chacun a sa façon de filmer, de voir les choses. Donc ça va être super cool de rencontrer ces personnes-là, quoi. Voilà. Surtout qu'en étant à l'accueil des pèlerins de Cahors, il y en a qui sont passés à Cahors, au moins 3 ou 4, et que je n'ai pas vu, puisque ben, c'était pas le jour où Tu j'étais là, ou c'était en période de mariage, préparatif, donc c'était plus compliqué. Voilà. On vous dit à bientôt. Passez un bon week-end, profitez du beau temps, profitez de l'été indien qui fait actuellement. Là, je m'étais pas trompé, je vous l'avais dit, qu'il ferait beau, il fait bon. Là, j'ai fait un t-shirt, moi, hein, bon, voilà. Donc, bon, après, les matinées sont fraîches, mais enfin, bon, fraîches, on a eu 4 il y a quelques semaines. Ce matin, on est parti, bon, il y a eu du brouillard, mais il faisait 12. Oui, c'est Bon, pas un... 12, c'est pas l'hiver encore pour moi. Hein. Voilà. À bientôt. Profitez du beau temps, allez vous promener, c'est bon pour la santé. Ciao et portez-vous bien. Ciao.